Si l'homme s'est longtemps contenté de pêcher le poisson dans les eaux de surface, l'épuisement des ressources a conduit l'industrie à se tourner vers des profondeurs pouvant atteindre 2000 mètres. Les navires-usines employées mesurent jusqu'à 240 mètres de long, contre 20 à 30 mètres pour un chalutier traditionnel, et peuvent embarquer jusqu'à 14 000 tonnes de poissons. Équipées de plaques métalliques, les filets en eau profonde labourent les fonds de mer, capables en 20 minutes de capter 60 tonnes de poissons. Les scientifiques s'alarment, après une vingtaine d'années de pêche en eau profonde, les ressources chutent drastiquement. Car la vie dans les fonds n'a pas le même rythme qu'en surface. Les poissons ont une espérance de vie plus longue, une croissance lente et une maturité sexuelle très tardive. L'oplostète orange, par exemple, prisé pour sa douce saveur, atteint sa maturité en 30 ans et peut vivre jusqu'à 140 ans. Le thon rouge, par comparaison, qui vit entre la surface et 900 mètres de profondeur, atteint la maturité en seulement 4 ans pour une durée de vie de 15 à 30 ans. Les écologistes comparent donc la capture en eau profonde à une exploitation minière plutôt qu'à une activité de pêche. Là où leur filet passe, tout trépasse.